c'est Milady. Ah, Elisabeth. Puis aujourd'hui, Billie Jean nous a invités à faire le BFF Challenge. Donc, chacun notre tour, on va piger une question, puis c'est l'autre qui va devoir répondre. Fait qu'on va voir si tu me connais bien. Je vais commencer par piger. OK, parfait. OK. Première question, si je peux stresser. OK. Raconte-nous ton plus gros fou rire ensemble. Legit life parce qu'on est fucking malaisés. À chaque fois qu'on est malaisés, on rit vraiment beaucoup, puis ça arrive le trois quarts du temps. Mais notre plus gros fou rire ensemble, hier même. Mais on pourra pas expliquer la situation, c'était vraiment dégueulasse. Je m'en souviens plus. C'était quoi déjà? OK, moi je vais dire au pire en copra, Elias va être tout le temps dans le nez. Puis elle l'a mis sur ma jambe pour me taquiner, puis j'ai vomi. Puis après ça, mon chien a mangé son vomi. Puis mon chum, il a rien compris au téléphone, lui, il était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, on pouvait pas être du gros fou rire à vie, là. C'était vraiment dégueulasse. Je pleure encore, je viens de faire mes cils, faut pas que je pleure. Same. Fait que ça, c'est un jour dans la vie. Parce qu'elle, elle déteste tout ce qui est dégueulasse, est allergique à la malpropreté. Ouais, moi, je suis la propreté incarnée, elle, c'est... Moi, je suis la malpropreté incarnée, j'ai pas de classe dans la vie. Ouais, bref. Fait que, mais on se complète bien. C'était bon, ça a bien commencé. Prochaine question. Quelle est notre plus grosse chicane et comment ça s'est réglé? C'est quand même à jour en plus. Notre plus on l'a réglé il y a pas longtemps. Ben, c'est peut-être pas une chicane, mais. On s'est jamais chicané, mais. On s'est jamais chicané, mais. Mais on a arrêté de se parler. Ouais. On s'est pas chicané, on a non, arrêté on de s'est se pas parler. Chicané. Mais quelqu'un est allé dire. Quelqu'un dans notre entourage qui était une des amies à nous deux a dit nanana à elle, nanana à moi. Ouais, puis là, après ça, nous deux, ben, nous deux, on est vraiment pareil. Comme si on a un problème avec quelqu'un, on est vraiment straight. Fait que nous deux, on s'est accrochés. Bro, pourquoi tu dis ça sur moi? Bro, là, après ça, on est devenus bro parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Ouais, j'ai donné un shot, puis on a comme pas arrêté de se parler depuis ce jour-là. No ouais. joke, non-stop. Ouais, puis on a pas arrêté de chiller. Mais on était pas. Fait que dans le fond, cette fille-là voulait faire de la merde entre deux personnes qui elle voulait même pas. Puis elle nous a juste. Puis maintenant, elle est pas contente. Elle fait ben des tweets à propos de ça, puis c'est bien pas grave. Pas grave. Tea! Spill the tea! Uh-oh. Pourquoi c'est moi qui pêche ça? Non, c'est quoi? Quelle est la plus grande erreur que j'ai faite en amour? Jonathan. T'as-tu ça? C'est vraiment du thé. Tu sais, c'est pas comme une action est une erreur, c'est genre... The whole thing! Ben, just say it, on s'en fout. OK, Jonathan, m'en fous. Nous, on fait du thé pour vrai. Ah, qui est mon crush célébrité? Non! Puis elle va me tuer pour dire ça. Elle ouais, pas non! Que je tu, non, je te jure, on va couper ça au montage. C'est que ça passe déjà. Qui veut pas. Okay. Non, ça recommence. Qui veut plus. Qui est mon crush célébrité? Mais qui tu veux que je dise ça? Je m'en fous, tu dis pas. C'est moi. Je suis ta plus grande fan. T'es même pas une célébrité, tu te prends pour qui? T'es full fru parce que j'ai. Ouais, puis on le met pas au montage, je niaise pas. Tu mettras okay. des bip, 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 toute la longue carrière. Ok, oui, pour mettez dire des bip qu'on dit. Puis genre. Ah ouais, au pire, ça va être drôle, mais je vous dis, faut pas mettre. Je vais être vraiment fâchée. I'm gonna sue you. Genre parce que... Non, non, mais parce qu'une de nos amies, elle a comme fréquenté un gars qui elle avait des photos fans de lui de quand elle était jeune. Fait que toutes les fans, genre, ils ressortaient les photos. Ouais, mais elle, c'était une fan avant. Fait que genre, mettons, Milay, elle sort avec bizarre. Un jour, puis qu'il ressort ça. Tu comprends? Faut pas que je fasse semblant que j'écoutais ses vidéos. C'est ça, faut... Anyways. Elle s'en fout. C'est compliqué, c'est compliqué. OK. C'est à toi. OK, c'est à moi. La chose la plus folle qu'on a faite ensemble. Oh mon dieu, on a. Ah, j'en ai une. On a pissé sur l'autoroute en taxi. Ben, c'est drôle. C'était bizarre. Ça avait pas rapport. On revenait genre du Dunby. On avait. On était même dans l'auto. Non, du New City Gas. Puis on avait tellement envie de pisser. On a arrêté. Tempête de neige sur le bord de la 15. Tu sais, une mauvaise décision, mais on est sûr. C'est notre chauffeur qui était genre supposé le taxi, nous dire si ça fait pas de sens. Pas, on était sûr. On ouvre la porte. Faut qu'on aille faire pipi. On va se pitcher sur l'autoroute. Je m'en fous. Faut que je on est allé sur l'autoroute. Puis genre. Puis nous deux, on s'est regardé. Puis on a fait. Hey, on se cache même pas. On a du taxi. Devant tout le monde.
Nous deux, on se trouvait drôle, on était comme, on veut pas se cacher, on trouvait ça drôle. On était seuls, mais on arrive 20 minutes dans l'auto, on se trouvait donc bien hot d'avoir fait pipi sur le bord de l'autoroute. Ouais, c'était vraiment dangereux, genre c'est vraiment pas correct. S'il y a des jeunes qui écoutent ça, faites-le pas. Puis si vous êtes un chauffeur de taxi, arrêtez-vous pas. On était vraiment, vraiment, vraiment seuls. C'était drôle. Comme, non, mais parce qu'on était comme, faut vraiment qu'on s'arrête. Genre, sinon, on va ouvrir la porte, blablabla. Fait qu'on s'attendait à ce qu'il sorte la prochaine sortie puis qu'il s'arrête dans un film. Il s'est arrêté sur le tour. Genre, go pisser, c'est gossante. Fait que nous, on a trouvé ça bien drôle. J'ai un petit moment. À Tahiti, on est allé nager avec des requins dans l'eau puis on est les seuls qui a sauté. On était comme, on s'en fout, on mourra ensemble, on se fait croquer une fesse ensemble, qu'est-ce que ça se passe? Puis elle, elle a sauté, puis elle a legit vraiment fait ça à nager. Tu sais, quand tu sautes dans l'eau, parce que quand tu veux que les requins viennent, moi mettons, quand je nage avec les requins, je suis wouh! Genre, ouais, moi, genre, j'ai vu tout sous moi, puis faut que tu fasses, genre, aller l'eau. Puis elle est genre, moi, je veux pas de requin, mais je veux juste sauter pour voir avec mes lunettes. Fait que là, elle a sauté une grosse bombe, c'est sûr. C'est la dernière affaire qu'il fallait faire. Après ça, il pensait que t'es supposé te glisser dans l'eau. Genre, puis là, après ça, tu sais, mettons que tu vois qu'il est loin, tu fais genre ça pour qu'il vienne plus proche. Mais tu sais, si tu fais ça puis qu'il est proche, ils ont tout fait snap la main, là. Puis quand j'ai sauté, j'ai fait la bombe, tous les requins se sont super méga approchés. Moi, j'ai eu tellement peur, j'ai eu une crise de peur. Ouais, ouais. Il y avait quelqu'un qui filmait, qui était que regardait Elisabeth, mettons, genre, elle va mourir. Elisabeth, elle regardait les gars, elle va mourir. Moi, je remonte dans le bateau comme en ralenti. Non, comme elle remonte comme si de rien n'était. Genre, j'ai sauté, elle est tout fière de moi. Nous, on est genre, t'as failli mourir, tous les requins sont sur toi. Elle commence à gueuler. Elle remonte dans le bateau, elle n'a plus jamais sauté. Voilà. Oh, je t'ai craché dans le face. Tu m'as pas pire, elle aussi. Genre, j'ai un peu que j'ai eu, ça part. Correct. Je le vois trop à cause de ça. OK. Ok. C'est quoi? Qui est la dernière personne qui a les Frenchies? C'est moi. Ah, t'es fine. Ah? Je pensais que t'allais dire. Non. Ok. Je voulais pas. Genre, j'ai su. Tu sais, comme j'ai dit. Fait que je pouvais pas te faire le coup deux fois. Ouais, non. Fait que avant ça, c'était moi. C'est une super bonne réponse. C'est tellement une bonne amie. Je le sais. Je suis à ton amie, tu sauves le ass. OK. Quel est notre plus beau souvenir ensemble? Ah! Quand on est passé à Los Angeles ensemble, c'était notre plus beau voyage, mais comme, tu sais, j'en ai fait deux avec toi, les deux sont beaux, mais Los Angeles, nos plus beaux moments. Qu'on se tient la main dans le derrière d'un Jeep, qui avait même pas de porte, rien. On écoutait, genre, on se partageait un écouteur avec notre tune, puis genre, le ciel a ailé tout le temps rose, comme c'était juste magique. On a eu un autre moment à Santa Monica, on se lançait le ballon dans le parking avec le coucher de soleil. Oh, le vidéo, comme, oublie ça, c'est Los Angeles, nos meilleurs moments. Il y en avait trop, c'était vraiment Il y en avait trop. En fait, c'est arrivé, je pense, 6 soirs sur 7. On mangeait du Panda Express dans la chambre, dans le lit, puis on écoutait des conspiracy vidéos. Chose que genre personne va faire en voyage, ouais, mais nous, on aimait ça. Le Halloween night, on est allé à Universal Studio, puis j'avais donc bien chialé que je voulais pas y aller parce que j'allais avoir peur, puis on n'a jamais eu du fun de même. On était amis avec tous les clowns là-bas. Les clowns, plein de sang. Ouais. C'est vraiment notre beau souvenir. Ouais. Can we go back? Oui. OK. La pièce de vêtements que je porte abusivement. Ben, genre, moi, je dirais que t'es. Cils, mais c'est pas un vêtement, là, mais genre, tes cils sont bien intenses. T'essaies de me donner la réponse, mais genre. Pourquoi? Genre, tu penses-tu qu'il le voit pas? Eh oui, en couple, là. Non, mais moi, je dis tes cils parce que parce que ça, c'est pas abusément. Okay. Je veux dire, qui porte pas la même paire de souliers à tous les jours? Tout le monde porte la même paire. Mais toi, tes cils sont vraiment abusés, puis genre. Elle se fait les cils à chaque semaine. C'est qui dans la vie qui se fait les cils? Chaque vendredi. Genre, le monde normal, c'est aux 3 semaines, 1 mois. Elle, à chaque semaine, il manque 3 cils, elle va les faire. C'est vrai en plus. Fait que ça, c'est abusé. Mais c'est pas un vêtement. Fait que sinon, je dirais juste toutes tes hoodies noirs. Ouais. Ou nos chandails de LA. Oh, nos chandails vintage. Oui, nos chandails de LA, on les porte tout le temps. Ouais, ou ça. C'est à toi. OK, dernière question. Oh mon Dieu, ça me stresse. Où est-ce qu'on risque de me croiser un vendredi soir? Oh, Sherman! Mais avec elle, j'irai pas sans toi. Quand elle a eu une fille au Sherman, il y a une fille qui s'approche de son chum, mais comme. Mais elle fait vraiment. Je le fais vraiment pour de vrai. Pour vrai, il y a des filles qui trouvent. Genre, s'ils parlent de moi, ils font similaire, là, vraiment un problème. Mais je me suis déjà pognée avec au Sherman, elle m'a fait. Si je le fais vraiment. Quand j'avais mon ancienne personne dans ma vie, genre, si tu l'approchais, ça faisait ça même.
Genre, je te jure, je m'en fous. Ah, je sais, mais moi, au mais début, quand mon chum, il m'approchait, genre, mettons, j'étais avec Mulan, mon chum, il arrivait, il était genre... Lui, il est genre... Oui, c'est ça, ta face. Donc, si vous avez aimé la vidéo malaisante d'Elisabeth et moi, donnez un gros thumbs up et... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Billie Jean parce que c'est une chaîne vraiment intéressante où il y a plein de challenges et plein d'affaires. Fait que... Si vous voulez que moi et Mulan, on revienne, ben... Laissez un commentaire. Oh yeah! Oh yeah, baby! Oh! Yeah! On est genre legit les plus plates sur cette chaîne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer. On est des bros.